Lui est une valeur sûre des douanes ivoiriennes. Il en est même le meilleur agent. Le colonel Hugues Irénée Awédé, directeur de la réglementation et du contentieux, vient d'être sacré à l'issue de la 8e édition de la semaine des douanes ivoiriennes. Des travaux qui se sont déroulés en présence du ministre du Budget, du portefeuille de l'État et de notre reporter, Lansine Bakayoko. Pour l'année 2021, le meilleur agent des douanes, c'est lui, le colonel Hugues Irénée Awédé. Cet officier supérieur en charge de la réglementation et du contentieux a été choisi parmi 5 lauréats sectoriels. C'est le couronnement d'un travail de près de 20 ans de carrière à tous les niveaux donc, des services des douanes, que ce soit les services de bureau, des services opérationnels comme au niveau des services au niveau de la territoriale. Et c'est aussi une exhortation à continuer, à l'état chaque jour de l'avant dans la quête de la performance. Sa bonne maîtrise du contentieux douanier a permis à la régie financière de mieux gérer la fraude douanière et de jouer pleinement son rôle de promoteur de l'économie ivoirienne. Un exemple qui devrait favoriser une mobilisation optimale des recettes. Il faut que l'ensemble des agents de douane comprennent bien que lorsque les résultats sont bons, et que la hiérarchie est satisfaite, la satisfaction réjaillit sur l'ensemble des agents. Les résultats sont bons parce que nous allons chercher partout où il faut aller chercher. La qualité, par exemple, de la prise en charge des marchandises est importante. C'est parce que lorsque vous êtes dans une situation difficile, qu'il faut avoir les meilleures inspirations, qu'il faut avoir les meilleures pratiques, qu'il faut avoir les meilleures techniques. Et c'est ce que nous essayons de faire. Dans un environnement où les besoins de l'État sont en constante augmentation, le gouvernement encourage les agents de douane à davantage de rigueur et d'éthique. Nous sommes un pays qui a des ambitions extrêmement grandes pour le bien-être des populations. Et ça, forcément, ça demande de disposer de ressources suffisantes. Et c'est pour cela que si nous avons fait de bons résultats cette année, ça doit être quelque chose que nous devons poursuivre dans la durée et que nous devons améliorer chaque année. Pour 2022, il est attendu des douanes ivoiriennes un peu plus de 2 226 milliards de francs CFA. Colonel Hugues Irénée Awédé, meilleur agent donc des douanes ivoiriennes.